le comité régional des États-Unis a un seul comité régional, c'est plutôt la France qui se retrouve avec ses deux comités régionaux, mais qui, pour le coup, se sont retrouvés derrière le président de la Fédération française des Sénégalais de la diaspora que tu es, toi, Amadou. Et tous ensemble, nous allons, avec donc 65 pays, essayer de réussir le congrès de Nantes. Voilà. C'est un peu ça le dessin. Les choses ne sont pas faciles. Ça fait quelques mois qu'on travaille d'arrache-pied, via des groupes WhatsApp, via des panels. Et aujourd'hui, petit à petit, nous avons réussi, je crois, à créer des initiatives positives autour de quatre commissions qui permettent d'avancer sereinement vers ce congrès. Voilà. Il y a des petits quoi par-ci, par-là, des petits bruits de fond, des petites alertes de gens qui ne sont pas forcément convaincus et qui n'aimeraient pas que la chose réussisse. Mais ça, c'est le quotidien de toutes les activités. On ne peut pas aller dans une action positive sans qu'il y ait des vents contraires, je les appelle comme ça. Ben, les vents contraires, justement, sont destinés à être contraints et balayés pour arriver à l'objectif. Donc, voilà, nous avançons paisiblement vers notre objectif qui est le congrès de Nantes. Il y a encore des choses à parfaire, mais dans l'ensemble, Amadou, le congrès de Nantes se déroule très bien. Le projet de congrès, en tout cas. Bon, le projet de congrès de Nantes se porte très bien. Alors, mais ça fait quand même, c'est depuis, parce que cette initiative-là a été portée en œuvre depuis à peu près 5 mois, hein, si je m'abuse. Absolument. Depuis 5 mois. Aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, on est sur, en termes de structuration, quels sont les comités régionaux, en tout cas les qui sont structurés, les pays qui ont réussi à structurer leurs comités régionaux, en tout cas de nouveaux comités régionaux, j'allais dire, et puis aujourd'hui qui sont vraiment aussi déterminés à participer pour ce congrès de Nantes. Je crois que tous les comités sont des comités déterminés. Après, il y a des fortunes diverses au niveau de la massification et de l'étendue des membres, du nombre de membres dans les comités, j'allais dire. C'est vrai que des comités comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, qui ont déjà une petite expérience de cette chose-là et qui savaient plus ou moins de quoi ça retournait, sont les comités où peut-être on va retrouver le plus de membres. Mais il y a beaucoup de comités qui ont commencé tout petits et qui, de fil en aiguille, se sont agrandis à une vitesse gravée. C'est la plupart des comités qui sont sur le continent africain. Vous savez, sur ce comité-là, au début, on avait une ou deux personnes pour monter le comité. Et puis, on s'est retrouvé très rapidement à 15-16 membres dans les comités, même si, jusqu'à présent, il y a toujours un leadership dans ces comités-là qui est plus motivé, par exemple, en termes de cotisation, en termes de participation. Mais si ce n'est que de venir tendre l'oreille et de voir ce qui se passe du côté de Nantes et qu'est-ce qui se profile à l'horizon, j'ai envie de te dire que sur au moins 63 comités régionaux, les gens sont motivés et sont au moins 5-6 personnes qui s'activent et qui essaient de rassifier dans leur pays pour parler du congrès de Nantes et pour amener les gens, quand ils le peuvent, à participer au congrès, et s'ils ne le peuvent pas, de commencer à être au courant de l'affaire et de tendre l'oreille pour pouvoir, après le congrès, continuer à massifier et à étoffer leurs comités régionaux. Voilà, et de toute façon, le congrès de Nantes n'est qu'une relance, une renaissance, donc, parce que nous avons réussi à Washington à mettre sur pied l'AFSD, mais comme tu l'as bien annoncé dès le début, sitôt le bureau mis en place, on a commencé nos batailles de leadership en sénégalais, qui ont fait que finalement, on n'a pas pu éviter une léthargie, à cause des querelles de leadership. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, moi, je dis, comme disait l'autre, faut pas, c'est pas un mal de tomber. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver les ressources pour se relever et recommencer. Voilà. Donc, faire un effet et ne pas y arriver n'est pas mal en soi. Après, il faut juste tirer les leçons de ce qui font que les associations tombent en léthargie, de ce qui font qu'il y ait des querelles intestines et des querelles de leadership qui ne nous conduisent nulle part. Essayer de les éviter et prendre la main de gens qui sont vraiment positifs et de personnes qui, au-delà de leur vision personnelle, ont d'abord cette grande ambition pour le Sénégal et pour la diaspora. Voilà, parce que je ne veux pas le redire, hein, il faut prendre vraiment des hauteurs quand on veut faire des choses qui ne vous rapportent pas tout de suite quelque chose. Voilà. La plupart des gens ne savent pas travailler dans le temps long. Ils ne savent pas mettre en branle
des choses qui répondent à une trajectoire du futur. Ils ont toujours besoin d'un bénéfice immédiatement perceptible. Donc, dès qu'ils mettent le nez dans quelque chose et qu'ils ne sont pas tout de suite les bénéficiaires, ça va tout de suite. Puis, il y a des gens qui disent, tant pis, le bénéfice, c'est pour demain, mais à condition que ce soit moi qui le dirige. Eh bien, tous ces gens-là ne sont pas des gens généreux. Être généreux, c'est penser aux générations futures. Être généreux, c'est concevoir que cette terre que nous occupons n'est pas la nôtre, mais celle des générations à venir, et que si on veut que ça marche pour nos fils, nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui viendront et qui, de toute façon, naîtront dans ces contrées, mais qui auront toujours ce regard de d'où tu viens, ben, il faut que ces gens-là aient une bonne attache avec leur pays d'origine, qui est le Sénégal. Et il faut qu'on s'organise dès maintenant pour que ces gens-là, non seulement comptent pour le Sénégal, mais qu'ils soient amenés à participer de manière efficace au développement de leur pays d'origine. Voilà donc pourquoi nous, on se bat. Et je pense avoir trouvé... Mais en toi déjà, parce que ça fait longtemps que tu es dans ces problématiques. Mais la plupart des gens comme toi, qui sont généreux et qui veulent donner d'eux-mêmes, de leur corps, de leur sou, de leur sueur, de leur intelligence, pour qu'on arrive tous ensemble à bâtir une intelligence collective à Nantes, mais c'est avec ces gens-là que nous préparons le congrès de Nantes et nous pensons que nous allons y arriver. Absolument, Pape, absolument. Alors, comme je l'ai toujours dit, je dis que il faut vivre certaines expériences pour comprendre un peu la souffrance qu'on peut endurer quand on prend de telles initiatives, parce que souvent on n'est pas bien perçu, on n'est pas bien compris, et comme tu l'as si bien dit, il y a des gens, quand il n'y a pas de bénéfice immédiat, ça les intéresse pas, et ils n'ont pas envie effectivement de s'y engager. Et pire encore, c'est que ils n'ont pas envie de s'engager, mais en même temps, ils ne laissent pas à ceux qui ont envie effectivement de faire ce don de soi pour les générations futures, de pouvoir le réaliser, de pouvoir le faire. Et donc, du coup, c'est la nature humaine. Je ne vais pas dire que c'est une spécificité sénégalaise, mais je crois que c'est la nature humaine. Alors, je rappelle en tout cas à nos auditeurs et auditrices, en tout cas pour ceux qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Pape Sarr depuis Nantes. Pape Sarr, en fait, est le coordonnateur du congrès de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora de Nantes. Alors, une fédération aujourd'hui qui mobilise l'ensemble des forces vives de la diaspora. Je ne dis pas toutes, mais en tout cas, il y a une bonne partie de ces forces vives qui participent à cette dynamique-là, au regard du maillage, en tout cas de cette dynamique à travers la diaspora, je veux dire de l'Asie, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Je peux attester que tous les pays quand même aujourd'hui participent en tout cas pour l'essentiel à cette dynamique d'échange pour que cette fédération soit consolidée à partir effectivement de ce congrès qui se pointe à l'horizon à Nantes. Voilà, Pape Sarr. Donc du coup, aujourd'hui, je sais que j'entends et je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a malheureusement des gens qui ne peuvent pas avancer et qui ne veulent pas avancer et qui aujourd'hui ne veulent pas effectivement que cette initiative avance. Ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut avancer. Et puis, ceux qui n'ont pas envie d'avancer, on constate qu'ils n'ont pas envie d'avancer. Il faut quand même les laisser derrière. Mais aujourd'hui, en termes de mobilisation, par exemple, au niveau des... je ne parle pas des forces de la diaspora, des pays, tout ça. Ça, c'est indéniable. En tout cas, au regard des contributions des uns et des autres, on sait que les Sénégalais de la diaspora, de façon générale, sont extrêmement mobilisés pour faire de ce congrès-là un vrai événement, un point tournant, en tout cas, dans la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Mais au niveau des autorités sénégalaises, je veux parler des autorités consulaires et des autorités aussi gouvernementales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, une écoute, une attention qui se définit par rapport à cette dynamique de congrès de Nantes? Merci Amadou. Je vais répondre à ta question, mais avant, je voudrais quand même rétablir juste une ou deux choses. La première, c'est d'abord, et ça me permettra de faire un coucou à mes amis au bureau ad hoc, donc Madi Sisseba et Modibo Soumaré, pour dire que je ne suis pas le coordinateur de cet événement. J'en suis peut-être l'un des initiateurs visibles ou connus, mais nous avons, pour parfaire notre organisation et notre marche vers Nantes, mis en place un bureau ad hoc, avec un comité ad hoc, qui est composé de 4 commissions, mais surtout un bureau ad hoc avec un coordinateur, qui est M. Modibo Soumaré, qui vit à Minnesota,
et qui est là, l'un des membres fondateurs de la FSD depuis le début. Il était avec nous à Washington en 2013. Très bien. Et puis d'ailleurs, pendant que tu parles de Modibo, je vois que, en tout cas, sur les internautes qui réagissent par rapport à cette intervention-là, il y a un certain Idrissa Sylla, effectivement, qui demande qui contacter aux États-Unis. Donc c'est bien Modibo Soumaré qu'il faut contacter aux États-Unis. Modibo Soumaré, oui, absolument. D'accord. OK. Et Modibo Soumaré est l'actuel coordinateur du bureau ad hoc. Voilà. Parce qu'on a un bureau ad hoc avec trois personnes, c'est Modibo Soumaré le coordinateur, Jean-Gilan Suy, qui est le secrétaire général ad hoc, et M. Madi Sissebar d'Espagne, très connu dans le milieu associatif en Espagne, il est incontournable, et il est membre fondateur de la FSD, lui aussi en 2013, et à trois, nous sommes donc le bureau ad hoc. Mais avec nous, nous avons quatre commissions qui pilotent un peu les travaux en direction de Nantes. C'est une des deuxièmes choses que je voulais dire avant de répondre à ta question. Il y a une commission communication dirigée par Momar Diop d'Espagne, très connue, à la communication. Il y a une commission finance et mobilisation des ressources qui est dirigée par Madame Aoli Sylla, une Madame Sylla comme toi de Belgique, très déterminée et très engagée, qui travaille naturellement avec notre trésorier ad hoc, Mohamed Sisseba. Et dans chaque commission, il y a beaucoup de membres. Hein. Je ne cite pas les membres, mais j'en profite pour faire un petit coucou et dire à tous les membres de toutes les commissions que j'ai une pensée forte pour eux parce que c'est eux qui mènent le travail sur le terrain. Et puis il y a la commission Télé Agenda qui est dirigée depuis le Cap-Vert par Dr Medun Diaye. Et Dr Medun Diaye fait un excellent travail. Lui qui a suppléé dans cette commission, le Dr Awali, Bokar Lital, que tu dois connaître très bien et qui était avec nous depuis Washington en 2013 et qui était la présidente de la commission Femmes et Développement. Voilà, et donc une sœur inébranlable qui est toujours avec nous dès qu'il s'agit de parler du Sénégal et de mobilisation en direction du Sénégal, et qui fait avec nous un excellent travail. C'est vrai qu'elle a écrit un livre ces temps-ci qui l'ont mené un peu au bout du monde, et pour des signatures et plein de choses en rapport avec son livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Du coup, le docteur Medun Diaye a pris le relais et avec beaucoup de membres, nous essayons de mettre en place les thèmes et l'agenda du congrès de Nantes. Après, il y a la France et les Nantais qui occupent la dernière commission qui s'appelle Commission Organisation, qui à l'origine était dirigée par Alimatou Cissé, mais que Mme Sarr a vite pris le relais parce que Mme Diouf Alimatou Cissé a eu un peu en cours de route et elle a dû un peu prendre du recul par rapport aux travaux. Et à présent, c'est Mme Sarr, donc ma chère et tendre épouse, qui s'occupe de la commission Organisation. Voilà. Quand j'ai dit ça, je peux maintenant répondre à ta question concernant les élites politiques en France et au Sénégal. Nous avons, de façon informelle, averti l'État du Sénégal et nos consulats. Je suis sûr de pouvoir dire que j'ai discuté avec mon consul général de cette histoire du Congrès de Nantes, mais c'est vrai que nous tardons encore à leur envoyer les courriers officiels. Nous avons privilégié les courriers qui devaient aller au Sénégal, parce qu'il y a souvent un problème de distribution. Et là, cette semaine, nous enverrons les courriers à nos consuls généraux. Nous invitons tous les consuls généraux de France, naturellement, celui de Lyon, celui de Marseille, celle de Marseille pour parler de Yaoundé, et mon ami Koïta de Bordeaux. Donc tous les consuls généraux de France sont invités. Nous lancerons un appel aussi pour inviter tous les consuls honoraires de toutes les villes. Nous demandons aux Sénégalais qui ont des consuls honoraires de nous donner de se rapprocher de nous et de nous donner leurs adresses pour qu'on puisse leur envoyer un courrier, puisque c'est l'affaire de tous les Sénégalais et c'est la France qui reçoit. C'est Nantes qui reçoit, nous sommes en province, mais à travers Nantes, c'est toute la France qui est comité d'organisation et nous aimerions vraiment donner un bon aperçu des Sénégalais de France et vraiment manifester cette teranga sénégalaise qui fait que nous, quand on reçoit nos hôtes, qu'on leur montre que nous sommes heureux, que nous sommes prêts à laisser nos maisons pour eux, et que nous sommes prêts à les accompagner pour qu'ils fassent un congrès tranquille. Voilà où nous en sommes au niveau de l'information avec nos élus en France et nos autorités. Nous allons saisir aussi l'ambassadeur qui va recevoir la lettre du président qui passera par la voie officielle par lui interposée. Et je ne sais pas si ça va être par la valise diplomatique, mais ce sera le chemin que nous allons choisir pour envoyer la lettre officielle du président. Si tant est que le président doit recevoir une lettre officielle parce que dans les coulisses, nous avons quand même réussi à envoyer pas mal de courriers à Monsieur le Président de la République. Par nos relais au Togo, Monsieur Al-Santi, merci. Par nos relais à Kinshasa ou à Brazzaville, et on doit remercier Monsieur Cheikh Diogo
l'infatigable du Congo. Et en France aussi, nous avons réussi à lui passer le message quand il est passé en France dernièrement. Voilà. Et nous avons, Amadou, une chargée de mission à Dakar qui s'occupe que de faire des courriers et d'aller voir là où ça coince au niveau des informations. Et nous devons saluer sur ce plateau Madame Corbe Diouf, qui est notre chargée de mission à Dakar. Mais il y a aussi Jean-Pierre Fay, que tu dois connaître, qui était un des administrateurs de la FSD en 2013 du côté de l'Italie. Jean-Pierre est actuellement notre porte-parole et il se trouve actuellement à Dakar pour diffuser un peu sur les médias le congrès de Nantes. Voilà un peu où nous en sommes au niveau des informations et au niveau des relations avec les autorités. Et les retours que nous avons sont bons, Amadou. Nous pensons avoir vraiment la crème de l'État du Sénégal pour participer à ce congrès parce que quand la Fédération des Sénégalais de la diaspora parle ou se réunit, ça interpelle forcément l'État du Sénégal puisque ce que nous voulons, c'est nous unir et nous engager pour le Sénégal. Voilà, avoir les pieds là où il faut dans nos pays de résidence, mais aussi faire tout pour que ce soit efficient et que ça profite à notre pays d'origine qui est le Sénégal. Absolument. Absolument. En tout cas, ça t'a encouragé et c'est à soutenir parce que je pense que c'est vraiment ma conviction que cette diaspora a besoin de se retrouver, que cette diaspora a besoin de se faire entendre. Elle a les moyens qu'il faut, elle a les compétences qu'il faut en termes de compétences, en termes de ressources financières, mais elle n'est pas du tout organisée pour des raisons que souvent on a du mal effectivement à s'expliquer. Mais je crois qu'après voilà, c'est une question de volonté. Et cette volonté, aujourd'hui que Pape Sarr, tu manifestes, en tout cas, bien que ben, il parte dans toutes choses aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la tête du peloton. Et de ce point de vue-là, je crois que voilà, il faut rendre à César ce qui revient à César. Et de ce point de vue, je crois qu'on te doit effectivement beaucoup, beaucoup par rapport à cette nouvelle dynamique qui se met en place. Alors, j'ai un internaute qui demande est-ce qu'il y a une page Facebook pour la FSD? FSD Diaspora, c'est un compte pour l'instant, c'est vrai qu'on est en train de le transformer en page. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre les comptes et les pages, mais le compte, lui, par contre, existe, il s'appelle FSD Diaspora. FSD Diaspora. D'accord. Donc, je pense que ce monsieur, effectivement, nous écoute en ce moment. Il s'appelle Idrissa Sylla. La page Facebook que vous pouvez effectivement contacter, en tout cas, retrouver peut-être les informations, c'est FSD Diaspora. Voilà. Mais je pense que si vous partez aussi sur Google, vous tapez Diaspora. Congrès de Nantes, certainement, il y a quand même, ça a été bien répertorié. Alors, FSD. Mais Amadou, en plus, je voudrais ajouter à l'intention de celui qui fait la demande que nous avons fait le choix, nous, de remettre à zéro les sites internet qui existaient. Voilà. Et là, nous sommes en train de. Nous avons déjà fait le nom de domaine et commencé les travaux. Le site est presque prêt. D'accord. Par souci de sécurité, nous ne donnons pas encore le lien. Le lien, d'accord. Voilà, mais le lien sera donné dans les jours à venir. Hein. Là, nous allons vraiment vers l'événement et les trois dernières semaines seront décisives. Donc, dès la semaine prochaine, je crois que le site sera prêt et on pourra donner le nom officiel pour que les internautes puissent nous retrouver et avoir le maximum d'informations. Mais aussi pour qu'ils puissent nous rejoindre. Il faut que les Sénégalais sachent que notre panel WhatsApp que nous avions utilisé pour faire promouvoir un peu ce congrès de Nantes et essayer de réfléchir sur le contenu et sur la faisabilité, ce panel a été victime de succès et est devenu vite plein. C'est un panel WhatsApp qui ne peut contenir malheureusement que 256 personnes. Ça y est, maintenant, nous avons depuis quelques jours atteint ce seuil de 256 et j'ai à l'heure qu'il est une dizaine de personnes qui sont dans les coulisses et qui attendent. Mais je vais aiguiller tout le monde vers la solution de secours qui va remplacer ce groupe WhatsApp. C'est un groupe du même nom qui s'appelle FSD Congrès de Nantes, mais qui lui est ouvert sur Telegram. Voilà, il faut le savoir. Ça fait la même chose que WhatsApp, sauf que Telegram permet, nous, de pouvoir recueillir au moins 100 000 personnes. Entre 256 et 100 000 personnes, il n'y a pas photo. Donc, je suggère aux gens de nous rejoindre sur Telegram en tapant FSD Congrès de Nantes. Mais c'est bien. Mais en fait, l'initiative, peut-être que vous ne mesurez pas un peu l'impact que cela, en tout cas, est en train de créer, l'engouement que ça crée à travers les Sénégalais de la diaspora.
Mais je crois qu'à quelques semaines de cette fédération-là, la page Facebook devrait être opérationnelle. C'est quand même ça. Absolument. Je crois que parce qu'après, Absolument. il y a ça ressemble un peu quand je vais caricaturer un peu. C'est-à-dire, on organise un congrès, on va y aller, mais on est un peu dans une sorte de moule. On se dit non, 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 on va pas trop sortir, on attend d'abord. Et du coup, et là, comment dire, alors, c'est un appel, mais je vais le prendre après. On se retrouve face à comment dirais-je, à une dynamique populaire hein, qui se met en place. Tout le monde veut Absolument. participer, tout le monde veut participer, et du coup, on n'a pas les outils aujourd'hui pour dire aux gens, voilà, foncez dedans, vous pouvez nous contacter là, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Mais est-ce que là, il n'y a pas une urgence? Vu que Si, il y a vraiment. une urgence, il y a une urgence. Nous avons communiqué sur une bannière sur toki.org et sur quelques sites, et sur lesquels on vous demande de nous rejoindre en faisant le numéro que je vais donner. Je ne sais pas si ça va être concluant de le donner comme ça en direct, mais si vous nous contactez par WhatsApp ou par Telegram, 77, c'est un numéro du Sénégal, Oui. Orange donc, 77, 77, oui. 762, 77 pour le Sénégal. 77, 762. 86, 86. 86, 86. Donc, je Voilà, répète ce nous sommes numéro-là. joignables sur ce 77. numéro-là par WhatsApp et par Telegram, et nous recueillons tout le monde pour les rajouter dans les panels là où il y a de la place. Alors, Et s'il y a besoin d'informations, nous nous ferons une joie de vous donner les bonnes informations. on va répéter ce numéro-là. Alors, c'est 77. C'est le numéro WhatsApp, hein, c'est ça? C'est le numéro WhatsApp What, ou téléphone ou Telegram. 77 762. 762, comme ça je le tape en même temps, je l'envoie aux internautes. 77 86 86. 786 86. Voilà, c'est un numéro du Sénégal, donc Numéro 2. 00221 quand même. Oui, je mets 00221 par mesure de prudence parce que 00221. OK. Donc, pour rejoindre le groupe WhatsApp, pour rejoindre le groupe WhatsApp du Congrès, le groupe. Bon, en tout cas, Pape, je sais qu'il y a pas mal d'internautes qui nous suivent. C'est encourageant et en tout cas, C'est je vous souhaite. un plaisir, Amadou. Nous devons vous remercier 1000 fois parce que vous donnez comme ça l'opportunité de parler à la France. C'était rêvé parce que nous essayons de parler à tous les 4,4 millions de France et nous le faisons un peu comme nous le pouvons. C'est vrai que quand vous nous offrez comme ça l'opportunité de parler aux gens, on prend et on prie pour vous en ce mois de Ramadan parce que voilà, c'est une bonne opportunité de pouvoir toucher le plus largement possible les gens. Voilà, et puis, tout à fait. Non, 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 c'est important, c'est intéressant. Alors, je rappelle en tout cas pour tous ceux qui nous suivent en ce moment que c'est une émission qui se passe, que vous pouvez écouter directement sur www.alkouma.news. Donc, sur la radio directement, ou comme vous êtes en train de le faire en nous suivant directement sur la page Facebook. Voilà. Donc voilà, on parle du projet de congrès. Ce n'est plus un projet, mais en fait, aujourd'hui, on parle du congrès de la diaspora, de la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Donc, ce projet-là va être mis en place, comment dire, du 28 au 29 juin 2018. Donc, c'est un projet aujourd'hui qui se veut fédératif, qui veut que tous les Sénégalais, partout où ils se trouvent à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout, que tous ces Sénégalais-là se retrouvent dans un cadre fédératif. Et comme ça, les préoccupations des uns et des autres partout vont être prises en compte. Mais donc, ce projet-là ne peut être un projet des Sénégalais de la diaspora si réellement les Sénégalais eux-mêmes, effectivement, ne se mettent pas dans cette dynamique-là, n'apportent pas leur contribution, n'apportent pas leur suggestion. Donc, c'est en cela qu'effectivement, Pape Sarr essaie de lancer cet appel pour que, voilà, il y a aujourd'hui un bon engouement des Sénégalais autour de la diaspora, autour de ce projet-là. Mais il faut le renforcer, il faut développer la communication, il faut partager l'information pour que partout où le Sénégalais se retrouve,
puissent se dire il y a quelque chose qui se passe et cette chose-là, ça nous concerne, il faut que nous y participons. Oui, effectivement, le congrès, donc, je rappelle, le congrès de Nantes, c'est du 28 au 29 juin, ça se passe à Nantes. Et donc, du coup, avec le numéro de téléphone qu'on vous a communiqué, et moi, je me permettrai effectivement, avec l'autorisation de Paptar également, de vous communiquer le numéro du coordonnateur actuel, en l'occurrence Paptar, parce que c'est important. Parce que c'est vrai que certainement, sur le groupe WhatsApp, on ne vous connaît pas, mais si vous appelez, vous arrivez à lui envoyer un message, ou bien à lui envoyer un texto ou à l'appeler, c'est sûr que là, il va prendre en tout cas en compte votre demande. Et je pense que vous pouvez en tout cas être impliqué dans cette dynamique-là. Donc, je vous envoie, tu l'autorises, c'est ça? Oui, aucun souci. Parce que vu un peu les réactions, donc je pense qu'il faut pas, il faut saisir l'opportunité au moment où ça. Et puis Amadou, j'allais rajouter, à défaut de pouvoir être avec nous à Nantes, parce qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas venir les 28, 29 et 30 juin à Nantes, parce que c'est ça les trois jours de congrès. Mais ceux qui ne pourront pas se déplacer à Nantes, qu'ils sachent que nous avons pris en compte la dimension internationale de cette affaire-là. Et nous savons que ce que nous faisons ne nous appartient pas à nous tout seuls, ceux qui seront à Nantes. Donc, nous mettons un point d'honneur à pouvoir faire une diffusion en direct. Et nous allons nous attacher les services les meilleurs pour pouvoir faire du direct via YouTube, via Facebook et via tous les médias qui seront disponibles pour qu'on puisse atteindre les Sénégalais de la diaspora qui sont de toute façon intéressés par les thématiques que nous allons traiter et qui ne pourront malheureusement pas être avec nous à Nantes. Voilà. Mais il faut au moins que ce soit dit assez fort pour que les Sénégalais puissent l'entendre, mais qu'ils puissent se joindre à nous si c'est possible. Mais quand ils ne peuvent pas, qu'ils puissent au moins être à l'écoute les 28, 29, 30 pour participer, intervenir, parce que ce sera interactif, et qu'ils puissent faire prendre en compte les préoccupations spécifiques selon l'endroit où ils se trouvent. Voilà. Nous tendons vraiment les bras à tous les Sénégalais de partout. Nous n'avons pas d'ennemis. Tous les Sénégalais sont nos amis. Et nous souhaitons que tous les Sénégalais, à égale dignité, quelle que soit leur cloison de parti politique, quelle que soit leur obédience en termes de religion, sont Sénégalais d'abord à part entière et il faut qu'ils puissent comprendre que les problèmes des Sénégalais transcendent tous nos clivages de partis politiques et de religion. Et qu'ensemble, nous pouvons aller à l'essentiel pour régler les problèmes de la diaspora définitivement. Voilà. Aujourd'hui, c'est possible. Avant, c'était très difficile. Aujourd'hui, grâce aux médias et grâce à la technologie, Amadou peut être à Paris et vous donner la parole, j'allais dire à Nantes parce que j'habite Nantes, mais je suis en déplacement à Lille. Et pourtant, où que je sois, je peux être localisable et pouvoir donner mon avis sur ce que nous sommes en train d'organiser. Et c'est ça la magie d'Internet et des médias, Amadou. Je pense que nous devons louer le ciel parce que cette fois, c'est possible. Et si nous ne faisons aucun effort pour arriver à unir une diaspora sénégalaise engagée pour le développement du Sénégal, c'est que nous aurons failli et vraiment nous aurons louper notre mission, j'allais presque dire sur Terre. Hein? Pour un Sénégalais de la diaspora capable de répondre à cette initiative-là et de participer au développement d'abord de sa condition dans la diaspora, mais également au développement du Sénégal, c'est une opportunité qui est offerte. Je pense que tous les Sénégalais prendront cette opportunité-là. Après, on peut être d'accord ou pas sur les modalités, sur la faisabilité, même sur les personnes. Mais je veux dire, ça, c'est des choses qui s'arrangent, c'est des choses qui se négocient. Dès qu'on se retrouve tous ensemble, ce qui est important, je crois, c'est plus le contenu ce que nous voulons faire. Et sur ça, je pense que nous pouvons, même à distance, aller tous à l'essentiel. Tout à fait. Même à distance. Alors, Paptar, il y a des questions très, très importantes. Alors, sur les dates du congrès, c'est bien le 28, 29 et 30. C'est ça. Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juin 2018. Très bien. Peut-on intervenir? Oui, vous pouvez. Si vous avez envie d'intervenir, bien sûr, vous pouvez intervenir. Moi, il suffit juste d'appeler et puis il n'y a pas de souci, je vous prends et comme ça. Paptar, vous pouvez faire votre contribution. Éventuellement, si vous avez des questions à poser à M. Paptar, ben, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de problème. Il y a deux internautes qui demandaient depuis tout à l'heure, effectivement, à pouvoir intervenir. Voilà. Paptar, c'est intéressant. Donc, du coup, le 28, 29, 30 juin,
Est-ce que, par exemple, 28, 29, 30 juin, quand on regarde un peu les contraintes qu'il y a par rapport aux Sénégalais de la diaspora, quand on sait que souvent ils sont très, très débordés, soit par le travail, soit par des occupations, soit par la famille. Alors, est-ce que mobiliser, comment ces 28, 29 et 30 vont être gérés pour qu'il y ait quand même une participation efficace. Par exemple, j'éclaircis un peu mon idée. Le 28, qu'est-ce qui va avoir lieu pour que, par exemple, si quelqu'un qui dit, OK, moi, il y a par exemple telle chose qui m'intéresse et ça va correspondre à telle date et que je puisse être là et que ça ne va pas le mobiliser pour les 3 jours, mais ça va le mobiliser juste pour, en tout cas, comment dirais-je, la partie qui le concerne mieux, qui le concerne davantage. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, il y a un programme qui est élaboré, qui est arrêté Absolument. et qui peut effectivement être partagé avec l'ensemble des Sénégalais qui s'intéressent aussi à ce congrès? Mais tout à fait, Amadou. Comme tu le sais, nous organisons une réunion tous les dimanches. Et tous les dimanches, nous faisons le compte rendu pour évaluer un peu l'état des travaux dans nos 4 commissions que j'ai citées tout à l'heure. Et il y a une commission qui s'appelle Temé Agenda qui est chargée d'élaborer le planning de 3 jours. Et ce planning-là est presque fini. À l'heure où on parle, je sais qu'ils sont actuellement en réunion pour faire le dernier jet ou l'une des dernières moutures de ce planning-là. Parce que, comme tu le sais, hein, ça change en fonction du positionnement des sponsors. Selon qu'un sponsor est arrivé à être sponsor officiel ou qu'il a pris un forfait qui ne lui permet pas d'occuper des grandes plénières, on change ou on module et on ajuste en fonction de ce qui avait été prévu. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas à l'heure qu'il est. Et là aussi, c'est pour des histoires de stratégie vis-à-vis de nos sponsors, diffuser le planning parce que on risque de braquer certains sponsors ou de les freiner dans leur élan, alors que les choses sont encore toutes ouvertes, rien n'est encore complètement joué. Hein. Nous allons servir les sponsors en fonction de l'ordre d'arrivée. Les premiers arrivés seront naturellement les premiers servis. Et en fonction de leur niveau de participation, occuperont une place prépondérante dans le planning. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est un congrès. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a 8 ateliers, par exemple, qui sont prévus le 29. Et ces 8 ateliers vont traiter de 8 thématiques diverses. Et ces 8 thématiques sont toutes différentes. Donc, déjà, les délégués qui vont venir des pays devront faire des choix pour aller assister à tel atelier et à tel autre, puisque les ateliers se passent en même temps. Il y a 4 ateliers le matin et 4 ateliers l'après-midi, et les 4 ateliers se passent en simultané en même temps. Donc, c'est vrai que c'est des choix qu'il faudra faire. Déjà, pour les gens qui sont ici, ce sera à la carte. Mais même pour les gens qui ne peuvent pas venir et être libres les 3 jours, ils peuvent aussi, à la carte, choisir d'être là le premier jour. Nous espérons que le président de la République lui-même sera avec nous. Et bien, si le président est avec nous et que les gens ont envie de venir écouter le discours du président et de voir sa vision de ce que la FSD est en train de faire, c'est vrai que certaines personnes choisiront de venir le premier jour, parce que le plus gros des personnalités est convié dès le premier jour. Après, nous avons parmi ces personnalités-là des personnalités fortes que nous avons suppliées de rester avec nous et d'être avec nous à la fin du congrès, parce que ce moment-là aussi est un moment crucial et hyper intéressant, puisque c'est le moment de la déclaration de Nantes. Nous avons décidé ce soir de faire la déclaration de Nantes et d'en faire une symbolique pour que, à tous les congrès à venir de la FSD, qu'il y ait une déclaration de la ville organisatrice. Pour que cette déclaration reprenne les grands moments de ce qui a été dit dans le congrès, les grandes résolutions, et que le mémorandum ou le rapport qui sera tiré de ce congrès-là soit contenu, lui, dans cette déclaration que nous avons envie d'appeler déclaration de Nantes. Voilà. Après, il y aura certainement, je l'espère, des déclarations de plusieurs autres pays qui vont recevoir ce congrès de la FSD. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une trajectoire du futur, mais évidemment, ce sera à la carte et nous avons un contenu divers selon les jours qui sera rendu public dès la semaine prochaine. Hein? Je fais ici le pari que dès la semaine prochaine, les gens qui seront au moins avec nous dans les panels WhatsApp ou panels Telegram auront au moins un aperçu du programme dès la semaine prochaine. Et après, ce programme sera rendu public parce que très rapidement, nous serons obligés de les mettre dans les courriers que nous devrons envoyer à nos élites. C'est ça d'ailleurs l'explication du retard
sur le courrier que nous devons envoyer à nos consuls, parce que nous ne pouvons pas leur envoyer un courrier sans leur dire voilà le contenu exact du programme durant les 3 jours. Hein? D'accord. Mais, donc la réponse est claire, il y aura un choix, ce sera chaque jour un programme, et en fonction de la journée et des programmes qui intéressent les uns et les autres, les gens auront tout le loisir de choisir leur destination Nantes. Voilà. En tout cas, c'est très bien expliqué, Pape, en tout cas pour à l'attention de nos internautes. Si vous avez envie de réagir, en tout cas, vous pouvez réagir. Il y a en tout cas des motions d'encouragement sur les messages que je reçois. C'est quand même intéressant, c'est bien, parce que moi, ça aurait pu être des gens qui disent voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais il n'y a pas ça. Je vois que les gens qui, en tout cas, nous suivent en ce moment sur les réseaux sociaux, particulièrement, puisque j'ai le truc en face, c'est des messages d'encouragement. C'est quand même intéressant. Il y a quand même de quoi, effectivement, il y a de quoi, en tout cas, j'entends très bien. Tu sais, Amadou, dans la vie, il n'y a que deux types de personnes. Il y a une grande frange de personnes qui est du style pourquoi. Oui. Voilà, je les appelle les monsieur pourquoi. Ça veut dire que c'est déjà, quoi qu'ils se passent, ils disent mais pourquoi ça? Et quand ils disent pourquoi, c'est toujours inquisiteur, c'est pourquoi? Parce que, comme si on devait leur demander la permission avant de le faire. Et c'est monsieur pourquoi, il y en a beaucoup. Mais des fois, il y en a qui disent pourquoi ça, que ce soit dans l'inquisition. Mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, c'est des pourquoi, dans le sens pourquoi on n'a pas averti et pourquoi moi je ne suis pas dans la boucle. Et puis il y a des gens qui disent pourquoi pas. Et j'aime bien mieux cette formule parce qu'en disant pourquoi pas, on formule un peu l'intention de mettre la main à la main. Parce que ça veut dire qu'on considère que tout ce qui est positif est possible, il suffit d'essayer. Et que quand on essaye que ça ne marche pas, on a toujours le loisir de pouvoir se dire qu'il faut se relever et recommencer. Et les gens qui ont ce tempérament-là, ce sont des gens qui sont dans le deuxième groupe que j'ai appelé le groupe Pourquoi pas. Et j'invite les uns et les autres, la plupart des Sénégalais de la diaspora, à être cette fois, au moins pour cette fois, des gens qui disent pourquoi pas et qui s'amènent à Nantes et qui disent c'est une initiative positive pour la diaspora, je suis Sénégalais de l'extérieur, ça me concerne, pour pouvoir dire demain que nous avons posé des jalons. Nous ne sommes pas seulement allés immigrer quelque part dans le monde. Et puis nous sommes revenus parce que nous n'avons plus la force de continuer. Mais nous avons, durant ce temps de passage, contribué à améliorer le sort des Sénégalais de l'extérieur et fait en sorte qu'il y ait des propositions de loi aujourd'hui validées qui encadrent notre processus de migration, mais surtout qui encadrent des choses comme ce que nous voulons mettre là. J'ai envie de dire la loi Bourguiba, mais la loi Bourguiba appartient aux Tunisiens. Mais si on peut avoir une réplique, ne serait-ce qu'une réplique de cette loi au Sénégal, c'est que l'État du Sénégal, quand un Sénégalais décède à l'extérieur, est tenu de le ramener au Sénégal, on aura gagné quelque chose. Parce que ça voudra dire qu'on n'est plus dans des plaidoiries, mais carrément dans des lois votées à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous ferons venir les 15 députés de la diaspora pour leur remettre le cahier de doléances des Sénégalais de la diaspora ou le cahier des charges qui avait été élaboré par le CASC à Barcelone pour pouvoir dire vous allez au Sénégal à l'Assemblée nationale, mais nous voulons vous rappeler que vous êtes des députés de la diaspora, dédiés à la diaspora, même si vous appartenez à des partis politiques qui vous ont investi. Rappelez-vous que la Constitution déclare des députés des Sénégalais de la diaspora dédiés à la diaspora, et c'est important. Donc, au-delà des paliers politiques, il faut que ces gens se souviennent que la diaspora a un certain nombre de réclamations légitimes, parce que c'est un public spécifique, et parce qu'on ne peut pas traiter les Sénégalais de la diaspora comme on traite les Sénégalais qui sont restés au Sénégal. Nous avons nos préoccupations propres, et nous pouvons quand même, à ce titre, demander un certain nombre de choses, parce que nous sommes aujourd'hui l'un des grands bailleurs du Sénégal. Ne serait-ce que pour cela. Et quand on dit à des arrangements, modèle d'une association qui n'ont pas voix au chapitre, je pense qu'il y a un équilibre à rétablir, une éthique, une équité à retrouver, hein, dans un sens un peu plus juste. Donc, c'est à cela que nous disons que les Sénégalais doivent continuer de venir, les Sénégalais doivent partager. Même si Papsar, aujourd'hui, qui est l'un des initiateurs et l'une des grandes gueules, peut-être, et passez-moi le terme, n'est pas bon ou n'est pas intelligent, voyez derrière Papsar, voyez au-delà, voyez plutôt le contenu et dites que chaque Sénégalais de l'extérieur se dise que si demain
nous pouvons ensemble mettre en place un fonds de solidarité, un fonds d'investissement suffisant, mais suffisamment fort pour pouvoir être levier de lobby, pour pouvoir peser sur les décisions dans les échanges avec notre pays, dans notre pays d'accueil, mais également au Sénégal. On aura gagné quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas difficile. On nous estime à 3 millions, 5 millions de personnes. On ne sait pas c'est quoi le bon chiffre, mais c'est sûr que nous oscillons entre ces deux chiffres-là. On est peut-être plus proche de 3 millions que de 5 millions, mais ce qui est sûr, c'est que même 3 millions de Sénégalais qui vont à l'étranger, qui coûtent 10 euros, c'est 300 000 euros. 300 millions d'euros, pardon. Mais 300 millions d'euros, c'est pas rien. Et 300 millions d'euros comme levier sur un fonds ou sur n'importe quel échange économique avec le Sénégal ou avec les pays autres, ça permet de se faire écouter. Ça permet au moins d'asseoir des garanties qui font que quand les Sénégalais sont tués, qu'on puisse avoir des avocats suffisamment engagés pour pouvoir défendre les Sénégalais qui se font massacrer dans tous les territoires du monde, hein, et qui se font flinguer comme des rats tous les jours. Ça continue d'arriver. C'est peut-être pas plus important aujourd'hui, mais les effets médias avec Internet, avec Facebook font que ces redondances de Sénégalais qui se font tuer, cette récurrence-là, fait qu'on pense qu'il y en a plus, alors qu'il y en a toujours eu dans tous les cas. Mais aujourd'hui, les médias nous permettent de voir ça et de devoir prendre position. Nous ne pouvons pas continuer de dire « Fissabili là, l'on est à l'endogal », de demander de faire des quêtes pour rapatrier nos corps au Sénégal, et après, derrière, critiquer l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal, on n'y a pas demandé son avis pour immigrer. 80% des gens qui sont dans la diaspora n'ont pas demandé la permission à l'État du Sénégal avant de sortir. Aujourd'hui, c'est à nous de nous constituer et de dire à l'État du Sénégal, nous sommes constitués, nous savons qui nous sommes, où nous sommes. Nous sommes à peu près 4,5 millions, ou nous sommes exactement 4 millions 8. Et voilà ce que nous sommes capables de faire. Vous devez nous écouter quand vous devez faire établir des conventions avec nous, les pays qui nous accueillent. Parce que c'est nous, peut-être les premiers ambassadeurs du Sénégal dans ces pays-là, nous avons voix au chapitre et nous devons avec vous décider de ce qui doit se passer dans ces conventions et de ce qui doit se passer pour nous, Sénégalais, dans ces pays. Voilà un certain nombre de choses que je dis parce que c'est des choses au moins qui sont partagées par tous les Sénégalais, même les Sénégalais qui sont anti-partage, peuvent entendre raison quand je dis ces choses-là parce qu'ils vont se retrouver dedans. Mais ne serait-ce que pour ça, nous devons nous retrouver tous à Nantes et discuter ensemble pour asseoir des politiques réelles qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Voilà, il y a juste deux choses sur lesquelles j'attire l'attention et qui vont être peut-être des choses essentielles dans ce congrès de Nantes. Ça va être le fonds que nous voulons mettre en place, sur lequel nous devons réfléchir. Est-ce que nous allons créer un fonds de zéro? Est-ce que nous allons voir tous les fonds qui ont été créés ici et là pour voir qu'est-ce qu'il y a de pertinent et prendre position, prendre des actions suffisamment fortes pour travailler avec ces fonds-là et en faire le fonds de la diaspora pour toute la diaspora. Mais toute la diaspora a égale dignité. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout cette histoire d'assistance et de rapatriement de corps, parce que quand même, nous ne pouvons plus continuer de dire tel est mort dans tel pays, on n'a pas de solution, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Est-ce qu'on fait des quêtes ou est-ce qu'on attend le chef de l'État pour qu'il rapatrie le corps? C'est bien que le président le fasse, mais le président n'est pas là pour rapatrier les corps des Sénégalais qui décèdent à l'étranger, je suis désolé. Tout à fait. Non, mais Pape, c'est très bien dit, parce que de toute façon, il faut une prise de conscience. Et les acquis sociaux ou les droits qu'on essaye en tout cas d'acquérir d'une certaine manière ne sont pas donnés gratuitement. C'est des bras de fer souvent qui ont conduit à la reconnaissance d'un certain nombre de statuts aujourd'hui que nous bénéficions. Ça n'a jamais été un plaisir pour un pouvoir de dire voilà, je vous accorde. Parce que de toute façon, dans la vie, c'est qu'il faut comprendre, les rapports sont régis par un certain nombre de forces. C'est-à-dire, il faut être beaucoup plus fort pour se faire entendre d'une certaine manière. Et la meilleure manière de se faire entendre en tant que diaspora, au-delà en tout cas de notre contribution significative et qualitative que nous apportons en tout cas au Sénégal en termes d'assistance sociale aussi, parce qu'on envoie beaucoup d'argent qui contribue à la stabilité du Sénégal, je crois qu'au-delà de ça, une organisation de la diaspora s'impose pour que cette force-là soit beaucoup plus, en tout cas, entendue. Et de ce point de vue-là, je crois que la seule voie aujourd'hui qui s'impose, c'est effectivement de s'organiser en fédération, c'est de s'organiser dans un cadre beaucoup plus structuré, et que, voilà, ce que nous devrons bénéficier, que par exemple, rapatrier des corps, bon, en tout cas, nous en connaissons
beaucoup, on connaît beaucoup de cas. C'est des situations qui nous arrivent tous les jours. Il n'y a pas longtemps, il y a une situation qui a été réglée d'une compatriote qui était décédée au Congo. Pas de chance, c'est quelque chose. Je crois que tout ça, aujourd'hui, c'est des éléments, en tout cas, qui peuvent nous interpeller et nous mobiliser d'une certaine manière. Et qu'on arrive, par exemple, l'État du Sénégal arrive à mettre en place un cadre qui puisse prendre en charge effectivement le rapatriement au cas où un Sénégalais décède et qui souhaite être enterré au Sénégal. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas aller enterré au Sénégal. Donc, on ne peut pas dire, voilà. Mais des gens, des Sénégalais qui souhaitent le faire, effectivement, qui puissent être rapatriés dans de bonnes conditions. Au-delà de ça également, je crois qu'il faut... Le fonds que vous voulez mettre, le fonds que le Congrès veut mettre en place aussi, vient à point nommé, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on a besoin pour accompagner les projets de développement. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la nature de l'immigration change. La plupart des jeunes qui viennent en immigration, c'est une autre catégorie de gens, d'individus, qui n'ont pas forcément le cursus scolaire ou universitaire, dense. Qui n'ont pas effectivement tout ce que c'est cela. Donc aujourd'hui, au Sénégal, ne sont pas pris en compte dans un certain nombre effectivement de dispositifs qu'un jeune peut bénéficier. Et donc, ils se disent, le seul espoir que j'ai, c'est de me retrouver à l'étranger. Et arriver à l'étranger également, les conditions sont beaucoup plus rudes parce que tout simplement, n'ayant pas de bagage intellectuel, je le vois parce que tout simplement, j'accueille ici beaucoup de migrants dans le cadre de l'accompagnement linguistique. Et je vois le niveau de ces gens-là. Je vois les difficultés auxquelles ils font face et je me dis, si c'était à refaire, je pense que peut-être ces gens-là, il faut les conseiller, il faut les orienter. Et donc, au regard effectivement de ces réalités-là, je me dis, il y a de quoi effectivement à réfléchir pour que ces jeunes qui arrivent ici aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup de chance certainement de réussir dans cette société-là, qu'on puisse les former ici avec des organismes de formation pratique et qui puissent être accompagnés pour un retour au Sénégal avec un financement acceptable, quoi, qui puisse leur permettre en tout cas de vivre décemment et de pouvoir intégrer la société sénégalaise dans de meilleures conditions. Et je crois qu'il faut, au regard en tout cas de ces considérations-là, saluer et encourager effectivement la mise en place de ce fonds-là et aussi à l'attention de ceux qui nous suivent. C'est extrêmement fondamental, c'est extrêmement important. Et je crois que ne serait-ce que ces deux points méritent effectivement une mobilisation générale. Pape Sarla dit tout à l'heure, je le répète, que par exemple, ne pas venir au Congrès de Nantes ne constitue nullement un handicap, un obstacle pour en tout cas participer pleinement à la réalisation du projet fédératif de la diaspora. N'est-ce pas, Pape Sarla? Absolument, absolument, Amadou. Et tu fais bien tout à l'heure de parler d'être au retour. Vous savez, le fond, c'est un. Nous imaginons un fonds de solidarité et d'investissement. Le fonds, il doit servir d'abord à appuyer les gens qui veulent retourner, parce qu'il faut qu'on ne se voile pas la face. Le processus de la migration, il va à deux sens. On part et on doit revenir. Je veux dire, quand on part du Sénégal, tous, nous pensons que nous devons revenir. Vraiment, je connais très peu de cas extrêmes où les gens quittent le Sénégal pour ne plus jamais y mettre les pieds, ou s'enfuient du Sénégal. Donc, les gens quittent pour aller chercher mieux, apprendre mieux, travailler mieux, gagner mieux, mais pour revenir au Sénégal. Donc, tant que ce processus n'est pas arrivé au retour au Sénégal, je considère que dans le processus de migration, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à son terme ou quelque chose à foirer. Voilà, donc, c'est dans ce sens que nous imaginons un fonds qui permette d'abord d'avoir les pieds solides là où nous sommes. Parce que il faut que les gens se rendent compte que tant qu'on n'est pas capable, nous, de bien travailler là où nous vivons dans nos pays d'accueil, jamais nous ne pourrons réussir quelque chose au Sénégal. Parce que celui qui vient ici, qui ne réussit rien, alors qu'il n'a rien réussi au Sénégal, parce que sinon il ne serait jamais venu, s'il retourne au Sénégal, il ne fera rien. C'est assez simple. Donc la meilleure chose, c'est de faire en sorte que les gens puissent être accompagnés. Et puis si quelqu'un a un projet viable de retour, aujourd'hui ça doit être facilité, parce que quand même, j'ai des raisons de croire que les choses s'arrangeront un peu dans les années à venir au Sénégal, ne serait-ce que parce que nous avons trouvé du pétrole et du gaz. Donc on peut imaginer que l'avenir sera un peu plus radieux qu'il n'a été. Donc, ne serait-ce que pour ça, on peut faire un pari sur cet avenir-là et essayer de faire aussi des paris de retour au Sénégal, mais ça doit être accompagné. Or, c'est la diaspora qui doit accompagner la diaspora. La diaspora est le premier bailleur du Sénégal.
il ne doit pas attendre le Sénégal qu'il lui accompagne pour qu'il retourne. Donc ces membres doivent être accompagnés par la diaspora, leur mot est moi il en tout cas. C'est ce que je crois en premier chef, et c'est la croyance de la plupart des gens qui dans ce congrès ont pensé que ce fonds de solidarité et d'investissement doit être revisité, avec de grands sommités de la diaspora d'ailleurs, qui ont conçu, réfléchi, qui ont des idées poussées sur ces choses-là, et qui seront chargés d'animer ces plénières. Il y aura aussi naturellement des financements du Sénégal, comme le FES et le PISD, qui sont des leviers de financement pour de petits projets individuels ou collectifs, mais le PISD d'ailleurs pour faire des projets un peu plus grands. Mais encore une fois, c'est des projets de co-développement qui sont mis en place par des États. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avoir la liberté de mettre nous-mêmes nos projets. C'est comme ça qu'on sera respecté. Et c'est comme ça que l'État du Sénégal comprendra que le premier interlocuteur pour ce qui arrange le Sénégal, ce n'est pas les étrangers, c'est d'abord les Sénégalais de la diaspora. Et après, si ce climat-là de confiance est revenu et bien rétabli, après seulement on pourra arriver à faire autre chose. Voilà. Et à mieux participer vraiment au développement du Sénégal, de l'extérieur, et à l'établissement au Sénégal ou à la réinsertion des gens qui ont fini de travailler ici et qui veulent retourner dans leur vieux jour, entreprendre au Sénégal. En tout cas, nous avons en ligne de mire toutes ces choses-là. Naturellement, tout ce qu'il y a de grand dans le boss ne pourra pas passer dans la marmite, comme on dit dans le Ndambour. Mais nous avons à cœur de choisir les deux thématiques que j'ai expliquées tout à l'heure, hein, autour du rapatriement et de l'assistance, mais aussi autour de ce fonds. Ce qui ne nous empêchera pas de visiter des choses comme la santé au Sénégal, de manière générale, comme les domaines agricoles communautaires, parce que c'est des choses que nous entendons, mais que les gens ne maîtrisent pas. Peut-être que nous avons d'autres préoccupations qui vont passer dans la ligne de l'école, autour de plusieurs préoccupations de la diaspora, hein, que nous avons à cœur de solutionner. Parce que, par exemple, nos enfants ici ont du mal à trouver des stages. Il serait bon, pour les enfants qui sont nés ici, qu'on consolide, parce que ça a déjà été commencé, les jonctions qui se font pour que ces enfants-là puissent faire leur stage d'application au Sénégal. Ça leur permet de retourner dans leur milieu naturel d'origine, mais également d'avoir des accointances qui leur permettent, une fois leur diplôme obtenu, de pouvoir aller participer au développement économique du Sénégal, parce que souvent c'est des experts, et parce que souvent ils ont de l'expertise raffinée dont le Sénégal a besoin. Tu vois, ça j'avais à cœur aussi de le dire. Mais Amadou, si tu permets, je veux quand même faire un petit coucou à toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont aujourd'hui dans nos panels de Telegram et de WhatsApp et qui contribuent nuit et jour à rendre ce panel agréable et à faire en sorte que les gens adhèrent au projet du congrès de la FSD à Nantes. Je pense naturellement à Binta Diallo, je pense à Jean-Charles Diallo qui anime les deux émissions principales qui sont dans ce panel-là, hein, autour de Dalal Gan et de la musique. Jean-Charles, en tout cas, il est... Il et Jean-Charles, le Nantais qui va bien Nantes, quoi. Il fallait l'inventer s'il n'existait pas, dans tout cas, parce que il a très, 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 très bien sa place dans cette panel-là. Absolument. Oui, très bien. Je te laisse suivre, je te laisse continuer à tes remerciements. Jean-Charles est intéressable et inébranlable dans son envie de faire en sorte que tous les Sénégalais, où qu'ils soient, débarquent à Nantes. Merci. Je pense qu'il va abandonner sa maison pour la laisser aux Sénégalais qui arrivent à Nantes. Et comme ça, moi, je vais l'héberger chez moi, parce qu'il n'arrête pas d'appeler tout le monde. Mais juste dire quelque chose d'important quand même, Amadou. La ville de Nantes a fait des pieds et des mains pour nous mettre dans de meilleures conditions pour pouvoir accueillir ce congrès. Et Madame le maire et son adjoint m'ont reçu personnellement pour me dire toute l'attention que la ville de Nantes apporte au congrès des Sénégalais de la diaspora à Nantes. Et à ce titre, quand même, j'ai envie de dire à nos élites du Sénégal de faire attention. Parce que quand les Sénégalais sont bien traités là, dans les pays d'accueil, s'ils veulent que ce soit quelque chose de durable et de viable, mais quelque chose qui est une pérennité, il faut que l'État du Sénégal se rende compte que nous sommes Sénégalais d'abord et que c'est le destinataire privilégié de tout ce qui se passe autour des Sénégalais dans les pays où ils sont. Donc vraiment, nous leur tendons la main et nous leur rappelons que c'est leur affaire. Les Sénégalais de la diaspora se réunissent parce qu'ils ont des choses à dire. L'État du Sénégal doit être là pour l'entendre. L'État du Sénégal est le destinataire privilégié de nos aspirations vis-à-vis du Sénégal. Parce que de toute façon, jamais nous n'arriverons à quelque chose si l'État en place n'est pas dans une démarche facilitatrice. Il n'y a que comme ça que les choses vont
pouvoir être mises en place. Donc je tenais sur son plateau à faire ce cri de cœur pour que l'État soit alerte et que notre président, les ministres sollicités et que toutes ces personnes sénégalaises qui sont nos élites viennent répondre à Nantes. Hein, ce sera vraiment la meilleure réponse qui soit à la mairie de Nantes qui organise quand même un mois sur le Sénégal. Hein, c'est vrai que les élites de Rufisque, à l'heure où je parle, le maire de Rufisque et une forte équipe sont actuellement à Nantes pour ce mois du Sénégal, qui n'a de prétexte d'ailleurs que cette solidarité entre Nantes et Rufisque. Il faut savoir que Nantes est jumelée à Rufisque. Et cela a servi de prétexte à ce mois de juin du Sénégal à Nantes. Vraiment, je profite de ton plateau pour appeler les gens à venir nombreux, mais surtout pour appeler l'État du Sénégal à être alerte et à faire face et à nous accompagner, parce que la diaspora a besoin de ses élites pour pouvoir être entendue. Non, mais très bien, voilà. Je pense que le message est bien entendu, le message passera, et il faut continuer à communiquer davantage, parce qu'il reste quelques semaines, et que, voilà, que l'info puisse circuler, puisse en tout cas atteindre tous les décideurs publics ou politiques, pour qu'effectivement ces cris de cœur que tu lances aujourd'hui soient entendus. Je crois qu'il y a de l'espoir de toutes les façons que ça soit entendu, parce que je crois que la question de la diaspora est une préoccupation du président de la République. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils vont faire bouger les lignes, quoi. Mais en tout cas, je rappelle à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et peut-être qui nous écoutent directement sur le site 3xwalcoma.news que je reçois sur ce plateau M. Papsar, le coordonnateur de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora, Congrès de Nantes. Donc le Congrès de Nantes qui va se dérouler ce mois de juin, le 28, le 29, le 30 à Nantes. Pour tous ceux qui veulent participer, ils peuvent participer à ce congrès-là, apporter leur expertise. Ça sera une occasion de faire des rencontres entre Sénégalais, mais de faire des rencontres également entre décideurs, de faire des rencontres aussi peut-être avec d'autres bailleurs, parce que tout simplement, ça sera une occasion pour qu'il y ait du monde et que quand ces rencontres, des rencontres de cette nature, il y a tout le temps des décideurs, des bailleurs de fonds à qui ça intéresse et qui peuvent être là. Et donc voilà, c'est vraiment une rencontre ouverte, ça il faut le dire. C'est une rencontre très ouverte, en tout cas qui s'adresse à l'ensemble des Sénégalais, partout où ils se trouvent, en tout cas, pour répondre à cet appel-là, pour qu'ensemble les réflexions puissent être menées et que des pistes d'action que Papsar vient d'annoncer, que ces pistes d'action-là puissent se concrétiser, à savoir la mise en place d'un fonds des Sénégalais de la diaspora pour accompagner en tout cas tous ceux qui veulent retourner au Sénégal, aller réaliser leur rêve, mais au-delà de ça aussi, prendre en compte effectivement l'éternelle question qui, en tout cas, pose souvent pour nous, Sénégalais de la diaspora, la question du rapatriement des corps, que l'État sénégalais, qu'on puisse quand même instituer, que ça soit vraiment instituer dans le texte de loi, dans la Constitution, je ne sais pas comment ils vont faire, je ne sais pas, je le dis comme ça, mais voilà, mais que ça puisse être quelque chose de, voilà, qui va être pris en compte et que partout où un Sénégalais peut être en détresse, partout où un Sénégalais peut se retrouver dans une situation que personne ne souhaite, mais voilà, que l'État sénégalais soit alerté à temps réel et que, effectivement, les conditions soient mises en place pour que les choses se solutionnent. Pape, alors, on est au terme de cette émission. Si encore dans ta réflexion ou dans ta tête, il y a encore des messages que tu veux faire passer, c'est très très intéressant, ou tu peux le faire passer, parce que je rappelle encore, il y a des auditeurs qui sont accrochés avec nous sur les réseaux sociaux et qui suivent attentivement, gentiment. En tout cas, je fais un coucou à tous ces amis, Alassane, Mansour, Boubacar Sissé, Ibrahim Agassama, Mamadou Diallo, Souley Diallo, Kramba Girassi, Raphaël Correa, Pasila, et voilà, il y en a plein, mais voilà, bon, c'est, à ces amis-là, bon, en tout cas, je vous fais coucou, merci de rester avec nous. Donc, je rappelle que vous avez en ligne notre invité Papsar, qui est le coordonnateur de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora pour le Congrès de Nantes, donc qui se déroule le 28, 29 et 30 juin 2018. Pape, alors, le dernier message. Bah,
remercier mon coordinateur, puisque je n'arrête pas de faire ce lapsus et d'oublier que je suis le secrétaire général ad hoc, mais ce n'est pas grave. Je passe un coucou à mon coordinateur, je sais qu'il comprend. C'est lui le coordinateur du comité ad hoc Modibo Soumaré. Et passer un coucou à l'ensemble des membres du comité ad hoc, mais à tous ceux qui sont dans le panel, à tous ceux qui travaillent nuit et jour pour rendre ce congrès-là possible, à tous ceux qui ont pris de leur poche leur argent et qui ont envoyé leurs moyens de là où ils étaient, parce que et particulièrement ces personnes-là qui nous ont envoyé des sous en disant « je ne peux pas être au congrès, mais je suis sénégalais et je veux participer, voilà ma contribution, dites-moi où je l'envoie ». C'est vraiment extraordinaire parce que c'est un geste vraiment de don de soi et d'offrande. Et nous conseillons ça aussi parce que, vous savez, à l'heure où nous sommes, ce congrès, nous l'organisons sous nos fonds. Voilà. Nous ne disons pas que nous n'allons rien recevoir. Nous avons des sponsors qui se sont manifestés et qui ont pris un certain nombre d'engagements. Nous espérons donc bientôt recevoir aussi d'autres fonds voilà, de ces sponsors-là. Mais pour l'instant, l'essentiel de ce qui a été fait, l'a été avec les sous des Sénégalais de la diaspora. Et j'aimerais bien que dans deux congrès, trois congrès, qu'on n'ait plus besoin de sponsors même, à la limite, pour ce congrès-là, où ça va être des sponsors naturels ou des invités. Mais il faut que les Sénégalais de la diaspora arrivent assez rapidement à être autonomes sur l'organisation de leurs manifestations. Parce que nous avons les possibilités de le faire. Si nous nous accordons sur l'essentiel, tout le monde sera suffisamment motivé pour participer à des événements comme un congrès de la FSD à Nantes. Et rendu là, je pense qu'on n'aura plus besoin de demander des soutiens. Mais je dois te remercier infiniment, Amadou. Tu pouvais te contenter d'être membre, de donner ton idée, parce que toi et moi, on échange sur tout. On ne peut pas le dire au grand jour, mais je ne prends presque plus de décisions qui concernent les activités de la diaspora sans demander ton avis. Et je sais que tu me le rends bien. Mais vous êtes beaucoup de personnes comme ça dans ces situations. Et à vous tous, je profite de ce plateau pour vous dire merci. Mais j'envoie pas ça parce que j'ai dit... C'est papa qui parle très souvent, il a une grande gueule entre guillemets. Ma femme n'aime pas trop que je dise ça. Mais c'est juste ça. En fait, papa ne fait que comporter ou dire plus fort ce qu'il a prêté ou retenu au bout de ses échanges avec des gens comme Amadou, comme plein d'autres gens qui ne veulent pas qu'on les cite et donc que je ne citerai pas. Mais sachez que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons surtout besoin des autres médias de la diaspora, quels que soient les médias. Nous sommes attentifs. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de payer cher des grandes radios. Mais si vous êtes de la diaspora et que vous avez un moyen à votre disposition qui nous permet de faire une annonce sur le congrès de Nantes, nous répondons à toutes les sollicitations. Nous sommes une équipe suffisamment motivée. Ce que j'ai fait là, Jean-Pierre Fay aurait pu le faire et au Sénégal, malheureusement. Et ça concerne la France et la FSD en France. Donc, je réponds en tant que... initiateur peut-être de cette initiative de Nantes, mais beaucoup d'autres membres de la FSD peuvent répondre. Il faut qu'on aille vers ces radios. Dans tous les pays où nous sommes preneurs pour toutes sortes de propositions qui permettent de véhiculer les messages autour de ce congrès à Nantes. Merci Amadou, merci infiniment. Mais c'est partagé, Pape. Alors, moi je le dis encore une fois, la diaspora n'appartient à personne. La diaspora appartient à ceux qui ont envie de servir cette diaspora-là, de s'investir dans cette diaspora. Et c'est ce que vous êtes Absolument. En train de faire. De ce point de vue, Absolument. Après moi, quand je sens des initiatives, je vois, parce que je suis un acteur de terrain, donc vous savez, après moi, il y a des gros discours, ça me fatigue. Par contre, quand Absolument. Je sens des actions qui bougent, des choses qui bougent, il y a un investissement en termes humain, il y a un investissement d'énergie et puis de foi dans ce que les gens font, moi, ça me parle. Et je crois que ce qui est en train, en tout cas, ce qu'on est en train de vivre, on ne saurait en tout cas te remercier finement, parce que de toute façon, il faut le dire, même si cette générosité t'habite à consulter les uns et les autres, mais je crois que tu es très ancré dans ton engagement. Ça, c'est très, très fondamental. Il faut quand même le relever parce que c'est cela aussi qui permet aux autres de dire « Ah ben tiens, ça, c'est à soutenir, ça, c'est à prendre, ça, c'est à renforcer. » Parce qu'après tout, ce n'est pas la personne de Pape Sarr qu'on voit dans cette dynamique-là. C'est l'intérêt des Sénégalais de façon générale. Et c'est pour cela que je crois que nous devons le comprendre ainsi et que, voilà, tous ceux qui l'ont compris, en tout cas, la majorité l'ont compris, il n'y a que
Malheureusement, on ne peut pas être à 100% d'accord sur n'importe quelle initiative. Même le bon Dieu qui a créé le monde n'a pas fait le consensus, pas a Absolument. fortiori des êtres humains que nous Parfait. sommes. Donc, de ce point de vue-là, je crois que voilà, il faut persévérer, il faut continuer l'essentiel. Le résultat est au bout du fil. En tout cas, je profite de l'occasion aussi pour remercier encore tous ces amis qui, en tout cas, envoient des messages sympathiques en disant Diadieuf, et puis chapeau et grand merci à Papsar. Nous l'encourageons fortement ainsi que les comités en œuvre. Donc voilà, ça c'est des messages d'encouragement, c'est de la part d'Idriss Assila. Et nous avons aussi Yaya Sané et puis Moku Diallo. Donc voilà, je crois qu'après, les gens sont accrochés et certainement, en tout cas, Pape, on se donnera rendez-vous effectivement aux dates 28, 29, 30 à Nantes éventuellement, pour vivre en tout cas les temps forts comment dirais-je, de ce congrès. Et il ne faut pas Absolument. hésiter, hein, s'il y a par exemple, des spots publicitaires, des pages publicitaires, des trucs comme ça. De toute façon, on est en réseau, on peut le partager, on peut vraiment, on peut atteindre des cibles beaucoup plus importantes. Donc, si vous avez aussi, s'il y a aussi un besoin dans le comité d'organisation, c'est vrai que souvent on n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a des choses, des besoins pratiques opérationnels sur lesquels, en tout cas, au niveau de l'Alcoma, il n'y a pas de problème, c'est acquis. Ça, il faut compter sur nous, il faut ne faire pas, il faut, en tout cas, il faut pas hésiter. S'il y a quoi que ce soit à faire, bon, moi je suis le coordonnateur, je coordonne tout ça, donc il n'y a pas de souci, ça passe. Et puis aussi, au niveau de d'autres réseaux auxquels nous participons souvent, on peut faire passer l'information. Mais je crois qu'on est sur une phase opérationnelle en ce moment, il faut que ça soit très opérationnel, parce que c'est dans quelques semaines le congrès. Absolument. Ouais. Merci. Merci, Ouais. Amadou. Merci Mais, vraiment beaucoup. non, c'est partagé. Et puis, je crois qu'il y a aussi l'émission va être diffusée ce soir sur la page Facebook de. Alors, il y a une page Facebook aussi. Ça va être rediffusé en tout cas sur les réseaux. Et puis, moi, je t'envoie le lien. Et puis, éventuellement, comme ça va être partagé avec les autres amis aussi. En tout cas, Absolument. voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission. Je souhaite à toutes et à tous, en tout cas, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous certainement la semaine prochaine avec un autre invité sur d'autres sujets. C'était donc avec Pape Sarr pour cette émission. Pape Sarr, Fédération des Sénégalais de la Diaspora, Congrès de Nantes, c'est le coordonnateur. Donc, cette fédération, ce congrès qui aura lieu le 28, je rappelle, le 28, 29 et 30 juin. Vous pouvez participer. Donc, j'ai envoyé sur la page le numéro de Papsar également. Vous pouvez, en tout cas, le contacter s'il y a besoin. Comme ça, il vous donnera le maximum de renseignements possibles. Je crois aussi la page Facebook de la Fédération va être opérationnelle dans quelques semaines, dans quelques jours, pardon. Et éventuellement, je crois que le site aussi va être mis en ligne. Donc, n'hésitez pas, mobilisez-vous. C'est une initiative qui vous appartient. C'est une initiative qui doit réussir. Donc, la réussite de cette initiative dépend de vous, Sénégalais de la diaspora, de nous tous. Donc, si chacun s'y met, je crois que ça sera un très très bel événement qui sera en tout cas gravé dans les annales de l'histoire de la diaspora. Voilà, sur ce, je souhaite en tout cas un très bon debout pour ceux qui sont au carême et très bon week-end à toutes et à tous. Merci. Et à la semaine prochaine pour autre émission et d'autres avec d'autres invités. Merci beaucoup.
Voilà, chers amis, merci d'avoir suivi. Donc, on se retrouve à tout moment, comme je l'ai dit, pour d'autres partages. Vous pouvez exploiter tous les numéros qu'on a mis sur le fil d'action. Donc, pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce deuxième congrès. J'ai partagé avec vous le numéro de Pape Sarr et également le numéro de Modibo pour ceux qui sont aux États-Unis. Et il y a également les pages de WhatsApp où vous pouvez avoir d'autres informations, notamment sur les préparatifs du congrès. Et il y a également le nom de la page Facebook. Donc, vous avez assez d'informations pour pouvoir s'enquérir davantage sur ce congrès de Nantes qui se prépare pour le 28, 29 et 30 juin, dans le cadre donc de la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Voilà, merci et à bientôt.